Vivre, si c'était comme un livre, on pourrait ouvrir et fermer l'histoire un peu quand on le veut. Et quand vient le soir, et quand s'endorment les amoureux, on poserait son bouquin à côté de son béguin. À côté, c'est bien mieux qu'en face. Vivre, si c'était comme un livre, on pourrait sauter les chapitres, les passages trop douloureux. Mais la vie, la vraie, écrit des mots que l'on n'efface pas, et non, mais pas de marquer tous les rêves brisés, et puis tous les faux pas que l'on a déjà fait. Mais tout ça, c'est pas grave. Les fautes d'orthographe s'inscrivent toujours dans les plus beaux des paragraphes. Quand on relit son livre, laissez tourner les pages, laissez la place aux autres d'inscrire un petit mot dans votre ouvrage. Ainsi s'écrivent les plus beaux. Et peu m'importe les pages du destin, à chaque oiseau sa plume, à chaque auteur sa patte, à chacun son bouquin. Sourire de ses ratures, avoir le choix dans l'écriture, et se laisser le droit d'écrire les mots comme on les voit, car de nos prisons les mots nous délivrent. S'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit: ton père, pauvre petit, l'est déjà tant morgue. Le bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va tant morgue. Son père cherché le cherche 3 heures. S'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit: ton père, pauvre petit, l'est déjà tant bière. Le bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va tant bière, son père cherché, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui, ton père pauvre petit, l'est déjà tant route, le bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va tant route, son père cherché, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit, ton père, pauvre petit, l'est déjà tentaire, le bon Dieu n'est pas gentil. Jean s'en va tentaire, son père cherché, le cherche 3 heures, où s'est-il caché? Mais un brave cœur lui dit, ton père, pauvre petit, l'est déjà tentendre, le bon Dieu n'est pas gentil.